C'est une nouvelle semaine, c'est un nouveau lundi, de nouvelles portes vous sont ouvertes, de nouvelles opportunités vous sont offertes, très chers téléspectateurs. Alors préparez déjà votre esprit à toutes ces bénédictions qui vont vous suivre au courant de toute cette semaine. Alors avant de faire quoi que ce soit dans cette émission, nous nous devons de dire merci au Seigneur qui ne cesse de renouveler ses bontés dans notre vie et ce sera à travers cette chanson, on se retrouve juste après. Et voilà, c'était là le titre Yahweh Kumama de Fistamboui qui vous a certainement permis de dire merci au Seigneur. Alors qui dit parfois nouveau numéro dont On Parle dit nouveau sujet toujours dit nouvelle réaction, mais aussi parfois dit nouvelle invitée. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Jules Bimabima qui est un business developer. Bonjour Monsieur Jules. Bonjour Madame. Bienvenue sur le plateau dont On Parle. Merci. C'est un plaisir pour moi. Ok bonjour Azaf. Bonjour ellie Bonjour ça Monsieur va Asaf? Jules. Bonjour Monsieur. Oui ça va très bien ellie et toi? Ça va. Alors aujourd'hui c'est toi qui vas présenter la citation. Voilà d'une manière euh, circonstancielle. Okay. Aujourd'hui la citation euh, sortira exactement de de moi. Mm -hmm. Mais alors c'est pas ma citation c'est la citation euh, qui nous vient des États-Unis d'Amérique euh, du troisième président euh, des États-Unis d'Amérique Thomas Jefferson. Euh, la citation dit ceci. Si, si vous voulez faire euh, « Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Okay. »« Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ben, » Je crois que je, je devais expliquer juste un peu, parce que c'est déjà justement clair. Mm -hmm. Mais alors, je, je devais justement marteler sur la personne de Thomas Jefferson, euh, sur cette citation, qui euh, pour moi, je, je crois, que c'est quelqu'un qui instigue à, à l'acte c'est quelqu'un qui, qui nous instigue à, à, à arriver d'équiter à, à la parole à l'acte parce que il nous dit que si on veut quelque chose qu'on n'a jamais eu on doit faire quelque chose qu'on n'a jamais fait alors lui qu'est-ce qu'il a fait euh, déjà c'est quelqu'un euh, qui a marqué l'histoire des états-unis d'amérique c'est les pères de la, décla de la déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Mm -hmm. Alors, il était même surnommé Man of People, okay. donc euh, l'homme, euh, l'homme du peuple. Et alors, c'est parmi les sept pères vraiment de de euh, de, de la comment je dirais, de, de la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Mais lui, il était le principal rédacteur de cette déclaration. Donc, mm -hmm. c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Donc voilà pourquoi on dit, si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voilà. Ok. Monsieur Jules, comment est-ce que vous comprenez notre citation du jour euh, J'étais même en train de noter. Okay. <laughs> j'ai trouvé ça tellement intéressant. Déjà, je ne savais pas que Thomas euh, Jefferson voilà. ça Il était le troisième président des USA. Oui. Et euh, c'est une information pour moi, donc j'ai trouvé que c'était capital. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est très important ce qu'il a dit, et c'est vrai. Donc, euh, je pense que ce n'est pas seulement philosophique, mais c'est une réalité que nous vivons. Oui. Donc, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, bah, nos parents, peut-être à l'époque, ils ne savaient pas faire des bébés, mais ils ont appris à faire des bébés, on est là. <laughs> Et aujourd'hui, on va parler business. Bah, peut-être qu'on n'a jamais fait du business. Bah, S'il faut faire du business, il mm -hmm. faut avoir le courage de faire ce qu'on n'a jamais fait. Oui. Et bien sûr, si on veut gagner de l'argent. Voilà, merci. Alors, comment impacter dans un business? C'est ça le sujet que nous abordons en ce jour. Mais bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre cet état de qui a été fait juste pour vous et on se retrouve juste après. Le business désigne une entreprise ou organisation qui a une activité commerciale, industrielle ou professionnelle. Ces business peuvent être à but lucratif ou non. Il s'agit de la définition principale qui réfère à un type d'organisation, mais il existe aussi une définition qui définit les business comme les forts produits par des équipes ou au sein d'une entreprise pour développer son activité et ses ventes dans un but lucratif. Il y a donc la définition du business concernant les organisations et la définition du business concernant les activités menées au sein des organisations. Innover en business model est une des préoccupations principales des entreprises, nombreuses à remettre en question l'impact de leur activité. Pourtant, la notion d'impact reste floue et les outils manquent pour l'évaluer aussi précisément que la performance économique ou financière. Cherchez, marché saturé, concurrence rude, comment impacter dans un business, suivez votre magazine, on en parle. Et voilà, j'espère que ceci vous a permis de bien comprendre ce dont nous parlons aujourd'hui comment impacter dans un business bien sûr et nous en parlons avec Monsieur Jules Bimabima. Alors Monsieur Jules, comment est-ce qu'on peut comprendre le mot business pour, surtout pour euh, ceux qui viennent d'apprendre le mot pour la première fois pour ceux qui viennent de l'entendre comment est-ce qu'ils doivent comprendre ce mot Alors euh, un business on, en gros c'est une activité à but lucratif. Ok. Donc euh, tout ce qu'on peut faire dans le but de gagner de l'argent, bah, on peut appeler ça business. Contrairement à ce que, à ce qu'on dit un peu dans la rue, que bah voilà les euh, les confessions religieuses ou les églises sont aussi des business. Mm -hmm. Et je, je dois souligner quelque chose, c'est que les confessions religieuses sont des entités à but non lucratif. Et donc c'est pas des business. Donc euh, si si par exemple un jeune ou si une personne a besoin de se faire de l'argent et qu'ils pensent devenir peut-être pasteur ou prêtre, c'est pas la bonne démarche. Donc, euh, <laughs> un business, c'est trouver un problème, réfléchir à une solution qu'on wow. va apporter euh, sous forme d'un produit ou d'un service contre une rémunération. Okay. Et donc, en gros, c'est un peu ça ce qu'on peut dire sur, sur un business. D'accord. Voilà. Euh, pour une personne lambda, euh, lorsqu'on parle d'un marché, euh, pour une personne qui ne connaît pas le terme, et, euh, un marché, c'est là où je, je pars pour acheter euh, ce, qu ce qu'on a à manger. Mais pour un business développeur que vous êtes, ouais. comment euh, vous définissez un marché dans le monde des affaires OK. Alors, euh, un marché, c'est en, en, en termes plus simples encore, pour, pour une personne lambda, un marché, c'est, je, je, je dirais, un besoin, mm -hmm. c'est une demande, okay c'est un problème, peut-être dans la société. Euh, à partir du moment où on a, on a des problèmes qui sont non résolus, eh bien il y a une opportunité. Et derrière cette opportunité se cache un marché. Donc c'est cache des personnes qui ont besoin de la solution que nous pouvons apporter contre une rémunération. Et donc à partir déjà de ce moment-là, dès qu'il y a un problème, il y a il y a une opportunité. Eh bien on peut parler du marché. On peut déjà parler du marché. Donc, comme nous sommes en RDC en Afrique, nous sommes, nous sommes déjà dans, dans une contrée où, bah, on est dans un paradis entrepreneurial, si je peux le dire. Pourquoi Parce qu'il y a énormément d'enjeux, il y a énormément de défis, il y a énormément de problèmes, et tout ça, ça constitue un énorme marché à exploiter. Mm -hmm. Un marché, ça peut être aussi la densité. Une concentration de la population. Bah, nous sommes à Kinshasa. C'est une ville de plus de 21 millions d'habitants, d'après les chiffres du PNUD. Donc, euh, 21 millions d'habitants qui doivent manger tous les jours, qui doivent boire tous les jours, qui doivent se déplacer, communiquer. Et eh ben, ça, ça constitue naturellement un marché, un potentiel marché pour nourrir ces, cette population, l'aider à se déplacer, à communiquer et, et à partager les informations, comme dans dans, dans des chaînes comme celle-ci. Mmh. Euh, voilà. Alors, Monsieur Jules, lorsqu'il a, lorsque la concurrence, elle est, elle est tellement rude. Est-ce que cela peut être une raison pour une personne d'abandonner Elle veut se lancer dans un business. Elle s'est dit qu'il y a, il y a tellement de concurrence et tout ça. Est-ce que ça peut être une raison pour elle d'abandonner son idée Bon, si je dois être réaliste, euh, je dirais que c'est relatif. Okay. C'est relatif. Mais si, si je dois être, si je dois si je dois répondre en tant qu'entrepreneur, je dirais non. Je dirais que la concurrence n'est pas euh, n'est pas quelque chose qui pourrait pousser quelqu'un à abandonner. Mmh. Au contraire, c'est c'est une source de motivation. C'est une source de motivation pour se poser, pour réfléchir euh, comment on peut se démarquer de la concurrence, comment on peut euh, apporter la plus value. Et puis, et puis d'ailleurs encore, euh, la concurrence, c'est bien, c'est très bien. Mmh. Quand on est dans un marché concurrentiel, ça permet de développer l'innovation. Vous voyez, euh, pourquoi aujourd'hui les États-Unis ou euh, les, les, les grandes puissances là, ont tellement évolué C'est parce qu'il y a une forte euh, concentration de la concurrence. Il y a une mmh. forte concurrence. Et donc, il y a Apple qui, qui fait des innovations, bah, Microsoft qui dit, je reste pas derrière, je dois aussi un peu pousser mes limites. Donc, la concurrence permet de repousser ses limites. Tant qu'on reste seul, tant, tant qu'il n'y a, tant, tant qu a pas de concurrence, bah, on n'innove pas. Sinon, pourquoi on le ferait Pourquoi Et le business ne va pas avancer. Mais par contre, quand on est dans un marché concurrentiel, bah, c'est très bien. C'est le marché le plus bénéfique pour le développement des innovations. Okay. Alors, euh, moi, moi j'aimerais vraiment m'attacher sur, sur ces marchés congolais aujourd'hui parce qu'on a comme l'impression… Euh, que les entrepreneurs congolais euh, sont un tout petit peu limités par rapport à la créativité en ce qui concerne les marchés. Ouais. On a l'impression que le marché est déjà saturé. Est-ce que cette pensée est, euh, est mieux placée pour dire qu'on a un marché aujourd'hui ouais. qui est saturé en RDC Parce qu'on a l'impression que les expatriés ont tellement tout bouclé mmh. et euh, les locaux ne savent pas vraiment quoi quoi dans quoi se lancer. Est-ce qu'on a un marché qui est saturé aujourd'hui en République démocratique du Congo euh, si je dois dire qu'il y a un marché qui est saturé en République démocratique du Congo, euh, en tout cas je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas euh, préciser cela, donner une réponse avec précision. Mais euh, je, je pense que il y a un très très vaste marché qu'on n'a même pas encore commencé à exploiter. Et euh, en RDC, on a, je, je, je dirais qu'on est très loin de, de la saturation du marché. Donc, il ne faut, il faut peut-être pas confondre avoir le monopole du marché et la saturation du marché. C'est deux choses peut-être différentes. Certes, c'est vrai qu'il y a des entités, des multinationales qui ont le monopole du marché. Euh, peut-être pour ne pas citer le nom des entreprises, mais je, je, peux, je peux citer les secteurs. Nous prenons par exemple les secteurs de la brasserie. Dans notre pays ici... À ce que je sache, nous n'avons que deux entreprises qui évoluent dans ce secteur. Et donc, ils ont un monopole, un monopole naturel du marché. Mais ça ne veut pas dire que le marché est saturé. Le marché est vide. Pourquoi? Parce qu'il y a encore deux personnes seulement. Mais il y a peut-être beaucoup des barrières à l'entrée de ce, de ce secteur-là pour investir dans, dans la limonaderie ou dans la brasserie. Il y a peut-être des fortes barrières suite à ce monopole que deux entreprises qui se sont déjà érigées, mais euh, je, je ne dirais pas que le marché il est saturé. Il est peut-être monopolisé par un certain nombre d'entreprises, mais euh, le marché il est encore, il est encore vide. Hein. On peut prendre l'exemple encore, c'est le long du, du boulevard, du boulevard du 30 juin. Moi j'aime mmh. toujours donner cet exemple-là. Et eh ben le constat il est tel que bah, toutes les boîtes de nuit, toutes les terrasses et autres appartiennent au Libanais appartiennent euh, aux expatriés. Mais euh, c'est nous qui allons consommer de la c'est nous qui allons consommer là-bas. Oui. C'est nous les congolais qui allons consommer là-bas. Donc c'est un contraste euh, c'est en fait nous nous sommes plutôt dans une position où nous laissons les autres nous exploiter. Et euh, si on commençait à se réveiller nous-mêmes, bah on se rendra compte que bah tiens enfin euh, on peut créer quelque chose, on peut innover, on peut, on, on peut, on, on, on peut apporter une plus-value, on, on peut arrêter de donner ce monopole-là aux autres. Mm -hmm. Et nous-mêmes, on peut commencer à se mettre ensemble et à investir. Et on verra qu'il y, y a un vaste marché. Okay. Vous avez parlé euh, d'un vaste marché jusque-là non exploité ici oui. dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui fait assez que ce marché-là reste non exploité et qu'on remarque que la plupart des personnes aiment tous se lancer dans la même chose Il n'y a pas d'innovation comme vous venez de le dire. Oui, le manque d'innovation, c'est quelque chose qui nous range et c'est quelque chose, pas seulement nous, qui range l'Afrique en général. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. On est déjà à la quatrième génération, je crois, ChatGPT GPT-4. Oui. Donc euh, déjà ici en Afrique, c'est à peine qu'on a eu une intelligence artificielle récemment avec euh, le mouvement Indaba qui réunit, 400 développeurs de, de l'Afrique. Donc, c'est à peine qu'on commence à se réveiller. Mmh. Et euh, donc, une fois de plus, je reviens à la concurrence. Je reviens à la concurrence. Bah, les autres, ils évoluent parce qu'ils sont en concurrence, ils sont en compétition. Malheureusement, nous ici, nous n'aimons pas la compétition. Nous ne voulons pas de la compétition. Bah, si, si moi, je commence un business, je veux être seul dans mon business. Dès que quelqu'un euh, se lance autant que moi, bah, je commence à le mettre des couacs et mmh. c'est pas bon ça. Bon, il y a aussi cet aspect là, mais aussi d'un autre côté, il y a un aspect, euh, je dirais, sur la fiscalité. Oui. La fiscalité aujourd'hui représente un, un petit frein. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lancer dans les affaires, qui aimeraient se lancer dans des marchés potentiels, mais ils, ils sont encore un peu restreints. Ils sont encore un peu restreints suite euh, aux, aux différentes réalités de la fiscalité qu'on retrouve dans notre pays. On a une fiscalité qui est vraiment, euh, je, je, je dirais, cravatée euh, et qui, qui étouffe. Et donc, ça ne permet pas vraiment d'avoir accès euh, à des investissements sur des secteurs qui sont euh, pro prometteurs. OK. D'accord. Euh, la concurrence, le marché, les entrepreneurs, euh, manque d'innovation. Alors, comment on peut impacter dans un business Pour voilà, c'est la question capitale que je me pose et je crois que les téléspectateurs se posent aussi la même question. D'accord. Merci pour cette question. Euh, je trouve qu'elle est très pertinente. C'est une question vraiment importante à laquelle tout entrepreneur devait s'exercer à, 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 à trouver une solution. Euh, pour, pourquoi je le dis Parce que bah, j'ai dit, dit au début de mon speech que nous sommes dans un paradis entrepreneurial. Vous voyez, les expatriés, quand ils viennent, ils savent que nous sommes pauvres. Ils, ils savent que nous sommes dans un pays pauvre. Et euh, déjà, la pauvreté constitue une première opportunité. Vous voyez, toutes ces IMEF, ces institutions de microfinance qui naissent au jour, au, du jour au lendemain, qui deviennent de plus en plus riches, Bah ils ont compris le système. Ils ont compris que les Congolais... Ils sont pauvres, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Ils veulent ouais. se débattre, ils ne veulent pas vivre, ils veulent survivre, ouais. Et euh, quand on veut survivre, c'est difficile d'impacter parce que on serait prêt à troquer euh, ses rêves, on serait prêt à troquer euh, le travail dur, on serait prêt à troquer sa motivation, sa détermination contre euh, une petite rémunération. Et donc, ça sera difficile pour nous d'exploiter vraiment notre potentiel à fond mmh. quand on a cet état d'esprit-là. Vous voyez, je, je donne un exemple très, 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 euh, très, très pratique, c'est que, bah, les expats, ils arrivent, ils trouvent que les congolais sont là, ils ont les terres, ils ont tout. Euh, nous vivons. À Kinshasa, par exemple, où il y a 21 millions d'habitants, avec une forte concentration d'un seul côté. Bah, si vous allez du côté Maluku et autres, c'est vide, hein? c'est vide partout là-bas, c'est vide. Pourtant, il y a des terres, hein? il y a des terres. Mais qu'est-ce que nous on préfère On préfère être concentré de ce côté, à exploiter les petites opportunités que l'on trouve pour survivre. Et avec cette approche, c'est difficile qu'on impacte. Or pour impacter, il faut quitter, il faut quitter sa zone de confort. Et quand on quitte sa zone de confort, on va par exemple là où il y a il y, a, y a des terres qui sont vides. Si on va là-bas, on s'installe par exemple là-bas, et eh ben on, 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 on peut produire, on, 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 on peut produire, on peut créer, on peut innover et on peut apporter un nouveau un nouveau souffle à la ville, par exemple. Ok Et donc s'il faut dire de l'impactation, moi je dirais que l'impactation commence à 85%, je dirais 90% d'abord par un développement personnel. Okay. Et ça c'est très très important. Comprendre qu'il faut arrêter de survivre et il faut vivre maintenant. Il faut être prêt à prendre des risques. Il faut être prêt à aller à fond sur quelque chose on veut faire quelque chose il faut pas qu'on se limite juste superficiellement il faut vraiment qu'on y aille dans le, dans, 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 dans le plus profond vous voyez il y a, y, a, y a des problèmes qu'on peut voir mais euh, on a l'impression que c'est un problème alors que c'est juste un symptôme et donc si on n'analyse pas très bien le problème on ne va pas à la racine on ne sera pas impacté alors pour impacter pour que j'impacte euh, ma population ou ma communauté, eh ben il faut que j'aille vraiment dans dans le dans, dans le cœur de son problème. Oui. Si je touche le cœur de son problème et que j'y apporte une plus-value, eh ben là, je pourrais impacter peu importe les secteurs, peu importe les stratégies que je pourrais appliquer. Mais si j'y vais vraiment à fond, si je suis pas superficiel, je donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai plusieurs amis qui sont euh, qui sont euh, dans la communication digitale. Euh, Graphistes et autres, comme, euh, comme vous l'avez dit, euh, que enfin, on fait pratiquement tous la même chose. Oui. Bah, le constat, il est, il est, il est un peu pareil. On se lance, on, on fait tous la même chose. On mm -hmm. fait du design, on fait des affiches, on fait, on fait, on fait, on fait, on fait presque la même chose. En fait, on ne trouve pas vraiment le vrai problème que les entrepreneurs ont, hein. On trouve pas le, le véritable le véritable cœur vraiment. Et même lorsqu'on le fait, on n'apporte rien de différent. En fait. Voilà, c'est exactement on... la même chose. On reproduit pratiquement la même chose que les autres. Fois. Voilà, peut-être avec une touche différente, mais euh, c'est difficile d'avoir un impact vraiment euh, sur sur le plan euh, sur le plan je dirais global hein, sur Kinshasa. Mm -hmm. C'est très difficile. Pourquoi Parce qu'on ne va pas vraiment dans le fond. Et c'est pareil pour tous les secteurs. Pour tous les entrepreneurs aujourd'hui, bah la plupart des entrepreneurs, on est dans les matu-vus. Il suffit qu'on fasse un petit truc, une petite entreprise. Bah, je suis CEO de les réseaux sociaux. Mm -hmm. de... <laughs> de... Mais je pense <laughs> que c'est ça le de vrai problème. Sur LinkedIn. Et c'est difficile. Je ne sais plus trop réfléchir. Je ne sais plus aller sur terrain, mm -hmm. palper les difficultés des clients. Je sais plus mettre en place un système, un call center pour avoir les, les, les plaintes, par exemple, oui. des clients, pour améliorer mon business. Ça devient difficile. On a même peur des critiques. On commence à éviter les critiques. Mm -hmm. Lorsque quelqu'un nous critique, bah, on dit, ah, c'est un jaloux, c'est quelqu'un <laughs> de mauvais. Pourtant, les critiques, c'est quelque chose de bien. Ça, oui. ça permet de nous construire. Ça permet de nous construire. Moi, je pense que chaque entrepreneur devait avoir euh, dans son bureau une boîte à suggestions, une mm -hmm. boîte à critiques donc, dès qu'un client entre, s'il te plaît, aimez-moi. aimez-moi des critiques. j'en ai besoin. ça, ça me okay. permettra de grandir. Ouais. et euh, ce sont ces critiques là, si j'ai les travaille, si je vais vraiment dans le fond, eh ben, je, je peux trouver ce qu'il me faut, ce qu'il me faudra pour, pour impacter. mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord poser moi, je pense que ça commence au tout début. Hein, avant, avant de se lancer dans, dans, dans un business, il faudrait d'abord s'y poser les bonnes questions. Oui, effectivement. Donc, quand on va dans le fond, oui. donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est important d'aller dans le fond mm -hmm. et n'est pas rester superficiel. Donc, quand on fait vraiment une étude de marché, en allant dans le fond, eh bien, on peut identifier sa niche. On peut vraiment identifier quelle est la niche, quel est mon persona, donc le client euh, qui, qui qui a qui a le plus besoin de ma solution que j'apporte. Parce qu'aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui se passe? Euh, on, on crée on crée une application, on crée une solution, on développe un business, on se dit bah tout le monde est notre client. Tout le monde qui a un revenu, bah tout le monde ne peut pas être notre client, c'est impossible. Ouais. Le seul entrepreneur dont tout le monde a, et, et client, est client, c'est Dieu, il nous ouais. vend de l'air. Hein. <laughs> okay. Et donc c'est impossible que je sois entrepreneur et que j'ai un produit qui est destiné à tout le monde. C'est très vague. On peut pas, on peut pas avancer comme ça. Ça sera difficile. Par contre, si je vais dans le fond, vraiment, je définis qui est mon persona, quelle est ma cible, quelle est ma niche, eh ben, je, je communique direct avec elle ma plus-value. Là, je vais l'impacter. Je vais beaucoup plus l'impacter qu'impacter tout le monde parce que c'est impossible. On peut pas impacter tout le monde. Mmh. Ça, on, c'est, c'est, enfin, je dirais peut-être pas impossible, mais c'est difficile. C'est très, très difficile. On ne saura pas impacter tout le monde. Okay. Voilà, puisqu'on euh, puisqu parle de cette euh, rareté euh, de trouver les gens qui innovent, puisqu'on parle de... Vous l'avez vous bien évoqué, vous parlez du développement personnel ouais. pour commencer à impacter. Alors, il y a aussi des différences qu'on peut établir euh, aujourd'hui quand on regarde le monde de business pour voir c'est qui un leader, c'est qui un challenger et c'est ouais. qui un suiveur. Est-ce que vous pouvez établir une différence entre un leader, on commence d'abord par un leader, c'est qui dans un business D'accord. Merci pour la question. Un leader dans un business, c'est euh, une personne ou euh, une entité qui est, euh, un domaine, qui est pionnière dans un domaine, qui est dans un domaine. Donc, euh, une entreprise qui a une grande part de marché, qui a une expertise, qui a une expérience, on peut dire que c'est une entreprise leader sur les marchés et euh, vous avez parlé en dehors un des... challenger aussi un challenger justement un challenger c'est quelqu'un qui vient concurrencer le leader donc ça peut être une personne ou une autre en entreprise on parle beaucoup plus aussi de challenger quand c'est euh, quand, quand c'est le début donc vous avez trouvé une entité une personne ou une entreprise qui évoluait déjà dans un secteur donné et vous venez vous aussi évoluer dans ces secteurs là et ben vous devenez challenger à cette personne là et le leader entre les, enfin, le challenger, tout comme euh, l'entité avant, le challenger peut aussi devenir leader. Mm -hmm. en, 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 en challengeant euh, le numéro 1, eh bien, on peut gagner aussi une grosse part de marché, on, on peut gagner une influence sur les marchés et on devient leader, on remplace le numéro 1, c'est possible. Donc euh, c'est c'est pas, pas l'évangile que le leader reste leader, le challenger restera challenger. Ben on peut commencer en tant que challenger, on passe du challenger au leader, c'est possible. Et c'est qui un suiveur dans le monde des affaires Alors les suiveurs, euh, on, on, on peut les suiveurs vraiment on peut faire allusion aux clients, okay. parce que c'est eux qui suivent la tendance. Donc quand une tendance sort eh ben, qui doivent suivre la tendance eh ben, C'est les clients, c'est les prospects. Je, je, je dirais prospects parce que euh, clients, c'est encore un peu plus loin. C'est les prospects. Les prospects, ce sont eux qui sont vraiment les suiveurs. Mais à part eux, il y a aussi les spéculateurs. Donc, tous ceux qui sont autour du secteur, qui voient juste une opportunité naître et qui veulent en profiter pendant un moment, eh ben, c'est des suiveurs. Donc, ils veulent juste. Profiter de l'opportunité. Euh, on a parlé de développement personnel il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a un ou deux ans. Bah, il y avait toute une vague de coachs. Oui, oui. Toute une vague de coaching. La tendance a un peu disparu. Hein. Voilà, oui. voilà. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. C'est comme aussi quand il y avait la crypto-monnaie, à un moment, il y a une période, surtout, moi, je me souviens, pendant la Covid-19, 2020 ça parlait ça parlait cryptomonnaie ça parlait trading après ça parlait euh, coach de en développement personnel exactement et aujourd'hui la tendance elle est euh, sur Twitter pour euh, les CEO et tout après ça va aussi disparaître un peu exactement voir autre chose hein. l'effet de mode voilà et donc euh, on peut dire que toutes toutes ces personnes là qui forment cette masse des spéculateurs mm -hmm. eh ben sont aussi des suiveurs qui suivent la tendance la tendance c'est qui vous avez parlé de TikTok TikTok c'est un géant chinois c'est lui qui a mis la tendance et les autres les influenceurs ils suivent ils en profitent et les autres euh, malheureusement notre communauté on, on est abrutis à cause de ça on, on, on gobe on gobe on gobe et puis voilà donc on, on suit sans réfléchir et, et là on, on peut même classer même deux types de suiveurs il y a les suiveurs profiteurs donc les influenceurs et autres ils suivent la tendance mais ils en profitent hein. Malgré qu'ils font des, des vidéos d'humour, mais ils en gagnent, hein, ils en tirent profit. Mmh. Et il y a les suiveurs passifs, ceux qui suivent et qui s'abrutissent gratuitement. <laughs> okay. Donc c'est aussi, euh... aussi pareil dans le monde des affaires, dans le monde des business. Il euh, y a des suiveurs qui, sont, qui profitent, qui suivent oui. et qui vont profiter. Il y a aussi ceux-là qui vont suivre mais qui ne vont rien gagner. C'est ça aussi. Oui, oui effectivement effectivement euh, comme comme en ce moment par exemple j'en je, je, profite de, 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 de parler d'une opportunité je, je crois que vous vous êtes informé, il mm -hmm. y a il y a un projet que le gouvernement mettra en place euh, qui s'appelle Transform. Mm -hmm. C'est un projet à hauteur de plus de 300 millions de dollars qui va viser à financer les entreprises des femmes et des jeunes. Et donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on remarque en ce moment il bah, y aura une grosse masse d'entreprises qui vont être créées juste pour profiter de de, de, cette, de cette opportunité mmh. et c'est pas mal hein? c'est pas mal c'est pas mal réveiller les femmes réveiller les jeunes à entreprendre c'est très bien mais pour quel impact est-ce que ça va durer est-ce que est les personnes question. qui se lancent vraiment dans les affaires avaient ce désir ou bien veulent juste en profiter mmh. donc il y a un peu ça on a le projet qui est là. Je pense dans quatre ou cinq semaines, il y aura les appels à candidature qui vont être lancés. Bah, il y aura des, des jeunes qui vont soumettre leur candidature, leur plan d'affaires. Et puis après, bah, c'est une tendance hein, qui est née. On a on, on soumet, bah on a de l'argent et puis après le reste. Mais et si, combien si d'entreprises investi... qu'on va sélectionner? La première cote, je crois qu'on en avait en parlé à, à, à mon passage quand j'étais là, mmh. euh, il y avait plus de 960 jeunes qui avaient reçu un financement de 17 000 dollars mmh. de la part du PADEM PME. Et euh, pour cette fois-ci, je pense qu'on ira un peu plus au-delà. On sera peut-être autour de 1 000. Okay. Donc, c est, c est, je, je crois bien, on sera au autour de 1000 entrepreneurs et euh, je pense 300 PME qui recevront aussi de, du financement sur ce projet. Mmh. Alors moi je vais revenir à ce que vous étiez en train de dire un peu plus tôt dans cette émission. Est-ce que vous ne pensez pas que certains projets ou certains business n'ont jamais vu le jour à Kinshasa à cause de l'étude du milieu Est-ce que c'est pas une raison euh, L'étude du milieu, oui, oui, je suis, je, je suis d'accord avec vous. Mm -hmm. Je suis d'accord avec vous. Euh, beaucoup, beaucoup de business aussi, beaucoup d'entreprises ne vont pas loin à cause aussi d'un manque profond d'études. Bah, on n'a pas très bien analysé le marché. On n'a pas fait une bonne analyse saute. Oui. Vous voyez, par exemple, on est en train de parler de la concurrence. bah Quand il y a la concurrence, il faut se démarquer. Mais comment on va se démarquer Il faut analyser son concurrent. Il faut analyser ses forces et ses faiblesses. Ensuite, analyser nos propres forces et nos faiblesses. Comme ça, pour voir comment masquer nos faiblesses et renforcer nos forces. Utiliser les faiblesses des concurrents oui. comme nos forces. Mm -hmm. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ne font pas ce jeu-là. On se dit... Euh, bah, il faut d'abord se lancer on n'a pas le temps pour les théories on n'a pas le temps pour euh, vraiment aller dans le fond il faut d'abord se lancer il faut gagner de l'argent il faut y aller il faut y il faut y aller il faut il faut partir et, 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 et je suis d'accord avec vous que en allant comme ça bah, on finit par se cogner. Mm -hmm. on finit par se cogner. on commet beaucoup d'erreurs même si j'encourage les gens à commettre les erreurs parce que les, les business <rire> <rire> il faut <laughs> il faut tomber sept fois sur mm -hmm. les, les huit fois ok et euh, mais il faut quand même être assez intelligent pour euh, ne pas commettre les erreurs que les autres ont commises. Oui. Et se pour se ça, référent, faudrait autres, il faudrait observer, observer, voir ce que les autres font Exactement. pour ne pas commettre euh, les mêmes erreurs. Exactement, observer, mmh. analyser, étudier et puis tirer les conclusions avant, avant vraiment de se lancer. Je pense que c'est quelque chose de, de très important qu'il faudrait faire. D'accord, Monsieur Jules, c'est pas fini, hein. On va continuer. C'est juste le moment de prendre notre pause et nous allons prendre une chanson de Baraka Adama en collaboration avec Yaro 938. La chanson, elle est titrée 4 à nous. Et voilà, nous sommes de retour après cette très belle chanson. Mais bien avant de continuer, nous avons donné la possibilité à quelques personnes de donner leur point de vue sur le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Comment impacter dans un business? On va les écouter et on se retrouve juste après. D'abord, les conseils sombres. S'il faut parler des affaires en République démocratique du Congo, nous savons tous que les affaires ne marchent pas. Parce que nous avons un gouvernement qui ne soutient pas ceux qui s'engagent véritablement dans, dans les affaires en République démocratique du Congo. Et sur ces plans, les choses sont tellement dures. Et aujourd'hui, les entrepreneurs ou les affairistes ne savent plus à quel sens c'est voué véritablement. Nous avons un gouvernement qui ne sait pas aider les entrepreneurs. Et comme nous le savons tous, L'entrepreneuriat ou les affaires en République démocratique du Congo est détenu par les expatriés. Aujourd'hui, ce sont les Indiens qui pullulent, qui, qui font les affaires en lieu et place des, de nos compatriotes. Et ça, c'est en danger à partir du moment où, même quand on constate que les aiguilles des petites affaires sont détenues par les expatriés. Et ça, c'est très dangereux. Et voilà, donc euh, à ce stade, le gouvernement est véritablement censé y faire quelque chose. Et pas seulement le gouvernement. Les entrepreneurs eux-mêmes sont censés initier les actions sérieuses pour que le gouvernement essaie euh, voilà, de, de rencontrer leurs leur, euh, leur propositions et se mettre à leur, à leur disposition. Parce que aller dans ces sens-là, c'est tuer les affaires en République démocratique du Congo. Hier, nous avons quand même connu de grands noms. Il y a eu de grands noms qui se sont démarqués dans les affaires dans ces pays. On a connu de Bemba, on a connu des Kissombe, on a connu des Decolo. Mais aujourd'hui, quels sont les non congolais qui sont dans les affaires aujourd'hui? Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on nous parle des Indiens, on nous parle des Chinois, on nous parle, voilà, des Libanais qui aujourd'hui euh, prennent de plus en plus de l'épaisseur dans le tas des affaires dans ces pays. Et ce qui est véritablement à revoir, et je pense que sur ce plan, le ministère qui a, qui a, qui a, comment dirais-je, qui a, qui a, qui a, qui a l'entrepreneuriat dans, dans ses mains, entre ses mains, pardon, et de censé véritablement y travailler par rapport à ça. Non, mais vous savez, ces entrepreneurs qui essaient de se démarquer, ils sont extrêmement forts. Moi, je connais de jeunes dames qui ont étudié, mais qui aujourd'hui euh, tiennent la boulangerie, par exemple, qui aujourd'hui se démarquent dans ça. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas des moyens colossaux, mais avec de petits moyens, elles essaient quand même de se démarquer. Et ça, c'est des choses à féliciter. Mais s'il faut lancer, s'il faut donner des conseils à tous ces entrepreneurs qui essaient de se démarquer, mais nous leur demandons de rester doigts dans leurs bottes et de continuer ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'entrepreneuriat est parmi les parents pauvres en République démocratique du Congo. Le secteur de l'entrepreneuriat n'est pas financé. Et ceux qui se démarquent les font avec leurs propres moyens. Et sur ces plans, nous leur demandons de rester focus de rester droit dans leur banque et de continuer à faire ce qu'ils font. Parce qu'on est un gouvernement qui ne s'occupe pas d'eux. Et voilà, donc euh, ils sont censés continuer à faire ce qu'ils font, mais continuer à plaider auprès du gouvernement pour que le gouvernement entende leurs cris d'offre et que le gouvernement s'y mette véritablement à rencontrer leurs propositions. Euh, D'après ce que nous voyons de notre pays, euh, la RDC d'abord c'est un grand pays et euh, le marché d'emploi, nous voyons, le marché d'emploi est occupé par les Occidentaux, les... la plupart des gens qui viennent de l'étranger, généralement le blanc et tout. Euh... Nous le voyons dans nos banques, partout et tout. Ce sont les blancs qui utilisent. La plupart des entrepreneurs sont des entrepreneurs expatriés. Donc nous, dans notre pays, nous n'avons pas vraiment des entrepreneurs congolais. Les entrepreneurs congolais sont très peu. D'abord, premièrement, euh, on doit d'abord avoir un club qui peut réunir tous les entrepreneurs congolais. Genre, euh, le gouvernement doit recevoir des projets qui viennent de Congolais et puis essayer de travailler ça. Et puis s'il y a moyen de supporter, ils peuvent supporter pour que les entrepreneurs congolais aussi puissent avoir de... puissent avancer dans leur projet. On perd confiance parce qu'une personne, il y a des constats qui se fait. Souvent, le, le Congolais, quand il part, nos entrepreneurs, quand ils partent à l'étranger pour prendre des produits, pour amener ça dans notre pays, souvent, ils n'ont pas vraiment assez de moyens. Et puis, ils arrivent, ils prennent des histoires, des qualités qui sont inférieures, ils amènent ça ici. C'est ce qui fait que la qualité de ce que le Congolais vend n'est pas vraiment une qualité vraiment appropriée. Et c'est que nous préférons aller chez les Occidentaux parce qu'on sait que non, ça vient de l'Occident, ça a quand même une bonne qualité et tout, on peut acheter ça. Mais s'il y a de fonds, le gouvernement met un fond, il met un fond et tout, les Congolais peuvent aussi s'en sortir et puis amener de bons produits. Nous sommes de retour, alors faites comme eux, exprimez-vous aussi, faites des commentaires sur ce sujet, envoyez des messages à travers le numéro affiché au, banc de au bas de, de notre écran, je voulais dire, et aussi écrivez-nous sur nos différentes plateformes. Alors, monsieur Jules. Quelle est la stratégie commerciale Aza vous a posé la question de savoir quelle différence on fait entre un leader, un challenger ou encore un suiveur. Vous avez non seulement défini, mais vous avez donné aussi la différence. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle est la stratégie commerciale d'un leader On va commencer par là. Alors, euh, stratégie commerciale, il y, en a, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et mmh. ça dépend du contexte. Euh, un leader peut adopter une stratégie de marché des niches, par exemple. Mmh. Il peut se concentrer que sur une seule niche, une seule cible. Il n'est pas éparpillé. Je vous donne un exemple. Il euh, n'y a pas très longtemps, c'était hier, je, je suis entré dans un supermarché, mmh. euh, on n'est pas peut-être citer le nom, un supermarché détenu par les expats. Et euh, j'étais très touché de savoir, j'étais en train de rechercher du vin, J'étais touché de me rendre compte qu'il n'y en avait pas. Je, je me suis dit waouh, c'est un très grand supermarché, il n'y avait pas de liqueurs, <laughs> pas de champagne. Et j'étais curieux, j'ai dit mais comment ça se fait mm -hmm. Et ils m'ont dit bah nous on vend que du halal. Oh, j'ai dit waouh ah bon Il n'y avait pas de porc, il n'y avait rien du tout. Donc ils se sont concentrés sur un marché halal. Mm -hmm. Et donc et ils ont même une référence comme ça. Donc, tous les expatriés qui sont ici, qui sont dans ce coin-là, ils savent que si je veux manger à l'âle, si je veux prendre quelque chose à l'âle, je dois aller là-bas. J'étais très touché et, et je me suis même rendu compte pourquoi ils font du chiffre. Eh ben, parce qu'ils ils ne se sont pas concentrés sur tout le monde. Aujourd'hui, bah, quand on a une boutique, qu'est-ce qu'on fait? On met là-bas du vin dans Simon. On met là-bas des biscuits, on est partout, on sait pas, on, on vend à qui et c'est uh -huh. difficile d'impacter comme ça. Il faut se concentrer sur une niche. Moi, je veux me concentrer euh, sur les femmes enceintes. Okay. Je ne veux vendre que des produits pour les femmes enceintes. Je connais ma niche et je développe des stratégies de communication pour les atteindre. Je sais que les femmes, les femmes enceintes, généralement, elles sont en repos. Elles sont à la maison. Et donc, le meilleur moyen pour moi ou les meilleurs canaux pour moi de communiquer avec elles, je vais utiliser les médias, la télé, parce qu'elles sont à la maison à regarder la télé. Mm -hmm. Et je les impacte plus rapidement. Pourquoi? Parce que je connais ma niche. Je la connais très bien. Je connais ses caractéristiques. Je sais qu'en ce moment, elle est à la maison. Je sais que d'ici peu, elle va accoucher. Et je, je sais comment communiquer. Et, euh, et et en connaissant ma niche, je, je l'impact plus rapidement. Donc ça, c'était une des stratégies. Euh, une autre, c'est la domination des prix. Okay. C'est aujourd'hui, on voit, il euh, y a des, y a des, y a des grosses boîtes et les Chinois, ils sont forts dans ça. Hein. En tout cas, il faut les, il faut les féliciter. Euh, c'est que ils arrivent et ils font du dumping chinois. Ils arrivent, ils vendent les mêmes produits que la concurrence, mais à des prix très bas et très rapidement, il gagne une grosse part de marché et progressivement, il commence à hausser des prix. C'est aussi une stratégie en arrivant en dominant sur les prix, eh ben vous vous attirez une grosse part de marché. Les gens vont se dire bah pourquoi j'irai acheter là-bas alors que là-bas ils m'offrent la même qualité à un prix beaucoup plus bas. La domination du marché, le dumping. Euh, c'est c'est une stratégie qui n'est euh, qui n'est pas apprécié par le concurrent parce que ça pousse à rabaisser les prix, à rabaisser euh, les coûts. Et euh, ça pousse même certains concurrents à fermer parce qu'ils vont se dire, bah euh, c'est chaud, moi je ne saurais pas baisser mes prix parce que j'ai des coûts élevés. Et justement, c'est ce qui nous arrive ici au Congo, c'est qu'il y a des entrepreneurs locaux qui produisent par exemple du jus, du jus naturel, mais le coût de production est élevé, c'est énorme. Ce qui fait que pour vendre un carton de jus produit par un entrepreneur congolais, bah, ça, ça coûte beaucoup plus cher qu'un jus importé. Pourquoi Parce que les expats, ils utilisent ces stratégies de la domination des prix. Ils savent très bien les enjeux que nous avons. Ils savent que nous avons un problème d'infrastructure. Ils savent que nous n'avons pas une bonne électricité. Ils savent que nous n'avons pas toute la mécanisation possible. Et donc pour produire, nous aurons toujours des prix élevés. Et eux, ils joueront toujours là. Et en jouant sur les prix, eh ben, ça sera difficile pour nous de nous démarquer, d'impacter vraiment. Et euh, donc j'ai parlé de, de la niche, j'ai parlé de, euh, de la domination des prix, mais il y a aussi les appels d'offres. C'est une stratégie très 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 intéressante. Okay. N'est pas s'éparpiller euh, à, à trouver les clients ou quoi, se concentrer uniquement sur les appels d'offres. En se concentrant uniquement sur les appels d'offres, eh ben qu'est-ce qu'on fait On a grossi son portfolio. Et plus son portfolio est grand, eh ben ça nous permet encore d'avoir davantage des appels d'offres et des appels d'offres. Je connais pas mal d'entreprises comme ça. Si vous allez concrètement, ils n'ont aucun produit qu'ils vendent, mm -hmm. aucun service. Et, et d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de vous. <laughs> Tout ce que eux attendent, c'est un appel d'offres. Ils sont là, c'est ça leur business. Ils ont toute la main d'œuvre possible pour ça. Ils attendent l'appel d'offres. Dès qu'ils ont l'appel d'offres, et ils se préparent pour les appels d'offres. Et c'est comme ça qu'il y, y a des entreprises comme ça qui sont champions en appel d'offres. Quand il y a un appel d'offre, oh, vous voyez déjà le logo de l'entreprise, bah, à oublier. Vous savez déjà que vous n'allez pas prendre ce marché-là. Okay. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont le prendre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont concentrés là-dessus. Ils se sont concentrés là-dessus. Mm -hmm. là Et donc, il euh, y a plusieurs stratégies qu'on peut appliquer. Ça dépend du contexte. Mais ça, ça c'est dépend... uniquement pour les leaders. Oui, oui. Mm -hmm. Ça dépend du contexte. Ça... Non, pas seulement les leaders, même les challengers. Hein. Les okay. challengers peuvent aussi arriver avec avec euh, une stratégie de la domination des prix, par exemple. Et eh ben, ça peut marcher aussi. Hein. Tout comme, on peut aussi appliquer une autre stratégie du freemium. Aujourd'hui, d'ailleurs, surtout avec les les entrepreneurs dans la tech, et ça marche très bien. Okay. Vous pouvez avoir votre magazine Innov Mag, par exemple, et euh, vous offrez des abo vous offrez des abonnements gratuits euh, mais limités ou des ou des, des options gratuites et euh, si la personne veut aller un peu plus en détail, télécharger l'intégralité par exemple des émissions comme celle-ci mm -hmm. ou euh, des magazines et autres bah, la personne peut payer un abonnement mais la personne a un accès gratuit pour certaines fonctionnalités par exemple pour pour l'application et c'est une stratégie qui est très in très intéressante. Mm -hmm. Moi même je l'ai expérimenté. Il n'y a pas très longtemps parce que nous avons euh, nous avons nous, nous avons dans notre entreprise euh, et en édition où nous, nous faisons l'édition des livres à caractère scientifique, nous avons fait appel à l'intelligence artificielle mmh. et donc on a utilisé des fonctionnalités des quelques de quelques applications qui sont récemment sorties déjà avec. Euh, avec le premier mois gratuit que les applications d'intelligence artificielle nous offraient, on a pu générer quand même assez de chiffres. Je pourrais dire, on a triplé notre chiffre d'affaires. Et juste après le un mois d'utilisation, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fermé et ils nous disent, il faut maintenant payer l'abonnement. Mm -hmm. Il faut payer l'abonnement qui est de 9,99. Et je regarde, je dis, mais c'est n'importe quoi, ces gens, ils se sont joués de nous. Et donc, ils nous ont mis le sucre sur, sur la langue. Mm -hmm. Et c'est une stratégie qui est très intéressante. Offrir gratuitement, offrir gratuitement ces prestations, c'est très, très bénéfique. Ça paye toujours. Mm -hmm. Moi-même, je l'ai fait. Je l'ai fait même pour. Pour certaines boîtes, je l'ai fait pour des incubateurs, même pour certaines banques, j'ai donné des prestations gratuites, par exemple. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça permet de, 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 de développer son portefeuille et ça permet de soumissionner à des marchés beaucoup plus grands, beaucoup plus énormes. Mm -hmm. Et c'est une stratégie qui est très intéressante, que ce soit pour les établissements, les personnes physiques ou les entreprises, offrir du freemium, des abonnements freemium un abonnement qui, qui donne accès à des fonctionnalités gratuites pendant un certain temps et puis après, euh, bah, les gens seront obligés de payer. Il y a des applications telles que bah, je, je recommande aux, aux start-uppers par exemple, euh, il y a des applications comme Canva, c'est une application qui permet de faire des de créations de contenu gratuitement. Mmh. ben Déjà avec ces fonctionnalités-là, ça lui permet d'avoir des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est le leader ils ont des millions et des millions d'utilisateurs dans le monde. Et si vous voulez aller un peu plus loin, ils vous proposent la version pro. C'est une stratégie qui marche très bien dans un marché concurrentiel. Mmh. Venir avec une plus-value, mais donner une certaine quantité en, en, en gratuit. Malheureusement... Ça marche à tous les coups. Bon, j'ai dit que les stratégies s'appliquent selon les contextes. Mmh. Je, je précise très bien. Il y a plusieurs stratégies hein, en… En analyse commerciale, il y en a plusieurs, euh, et chaque stratégie dépend de vos objectifs. Quels sont vos objectifs Est-ce que c'est l'implantation Est-ce que c'est la croissance Est-ce que c'est les développements Et en fonction de votre objectif, bah, vous allez choisir une stratégie qui vous stratégie correspond le mieux. Okay. D'accord. Alors, euh, on parle, on parle ici. Vous, vous avez bien évoqué au cours de cette émission que les expatriés ils viennent avec la domination des prix. Et euh, nos entrepreneurs, ils sont un tout petit peu scotchés vers, vers un même coin. Ouais. Vous ne pensez pas que… Bon, je me mets dans la peau des entrepreneurs. Ils s'élèvent aujourd'hui euh, tellement qu'on est un pays, on est sous-développé. Bon, il s'est dit, bah voilà, je peux… Je vais, par exemple, me lancer dans la brasserie, euh, dans la production, de la limonaderie, par exemple. Mais euh, ça un coût, les coûts est très élevés. Ouais. Comment comment un entrepreneur peut s'y fixer pendant que… Euh, voilà, il s'y fixe au moment où il gagne peut-être pas en ces moments-là ouais. voilà pourquoi on peut aussi s'éparpiller avoir plusieurs euh, je dirais être un peu partout faire un peu du tout parce que l'entrepreneur s'est dit bah voilà moi je suis euh, dans les domaines du vin par exemple mais en ces moments ça ne paye pas j'investis je mets de l'argent et ça paye pas pour le moment je peux encore vendre un peu de biscuits pour permettre à ce que euh, lorsque j'aurai suffisamment de l'argent je vais me concentrer euh, dans ce que j'ai fait dans les secteurs du vin. Bon, voilà. Comment comment vous les jugez Comment vous pouvez dire que dans ces entrepreneurs là ne vont pas peut-être réussir Et comment on aura des entrepreneurs qui vont réussir Vous pensez pas que les problèmes ne viennent pas d'abord euh, des entrepreneurs, mais ces problèmes est d'abord un mal national, un mal de tout un pays euh, pour pouvoir s'y fixer, pour pouvoir avoir une, une cible très très spécifique, parce que on ne peut pas être spécifique lorsque euh, on a des problèmes dans cette spécificité là il faut avoir de l'argent il faut peut-être investir et aussi ceux qui viennent imposent les prix ceux qui viennent laissent aussi la barre très très haute par exemple dans les, dans les secteurs bancaires voilà comment quelqu'un qui n'a pas suffisamment de capital et qui va venir euh, euh, s'imposer là-dessus. Vous ne pensez pas qu'il est mal et d'abord national pouvoir descendre à, à ces entrepreneurs et se dire, bah voilà, on aura des entrepreneurs qui vont se fixer après. Si on résout d'abord, on résout d'abord plutôt, on résout les problèmes nationaux et, et on donne un tout petit peu de, du souffle à ces entrepreneurs-là pour pouvoir se fixer. Vous ne pensez pas comme moi Ah oui, euh, je, 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 suis de, de mmh. je suis de votre avis. Je suis de votre avis. Mais je le partage à, je dirais, à 54%. D'accord. Je vais <laughs> m'expliquer voilà. <laughs> pourquoi je dis ça. Alors, euh, vous avez parlé d'un secteur qui, qui est très intéressant, les banques. Mm. Et euh, on le sait tous, dans notre pays, bah, quasiment toutes les banques, on n'a aucune banque congolaise et euh, c'est un constat amer euh, qu'on qu qu doit avouer. Mais euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, on n'a pas forcément besoin d'avoir seul les capitaux ou le capital qu'il faut pour investir ou pour créer une banque. Il y a des banques qui se créent avec du crédit qu'ils ont contracté auprès d'autres banques. Et ça se fait, hein. Ça se fait. Il y a des entreprises qui se créent en contractant des crédits auprès d'autres banques. Et même, c'est même le cas dans notre secteur minier. Bah, la plupart des multinationales qui viennent investir, c'est pas leur argent, c'est des crédits qu'ils prennent eux aussi. Et donc, c'est pourquoi il y a, il y a tout ce qu'il y a derrière, parce que ils doivent rembourser eux aussi l'argent et en plus ils doivent gagner. Et donc, c'est du capitalisme pur. Ils font travailler les gens comme, comme pas possible. Et euh, donc, il y a, il y a toutes ces réalités là. Alors, ce que je disais, c'est que. Euh, le but c'est de savoir que euh, investir seul c'est peut-être pas la bonne stratégie c'est peut-être pas la bonne approche mm -hmm. et malheureusement c'est ce que nous nous avons en tête nous africains en particulier congolais lorsque nous entreprenons bah on veut être seul je veux créer mon entreprise et être seul CEO ça fait plaisir d'avoir ce titre là sur son LinkedIn hey. CEO <laughs> de euh, beauty si ou 2 voilà même si on n'a pas euh, même un RCCM mm -hmm. Alors, donc qu'est-ce que je disais euh, On peut se mettre ensemble. On peut se mettre ensemble en parlant même de la banque. Je connais des jeunes, aujourd'hui ils sont autour de 9 millions maintenant qu'ils ont déjà levé. Donc il y a plusieurs euh, jeunes, ceux de la diaspora, ceux même du pays qui se sont unis sur un projet, je crois que j'ai oublié le nom. Et ils lèvent de fonds périodiquement, dans chaque période. Mm -hmm. Leur objectif, c'est d'atteindre, je crois, les 30 millions qu'il faut okay. euh, comme capital pour ouvrir une banque. Une banque qui sera à capitaux congolais. Okay? Mm -hmm. C'est une bonne approche. Et moi, je les félicite pour ça. C'est une bonne approche. Pourquoi se casser la tête seul, à vouloir euh, tout faire seul On ne peut pas tout faire seul. Et c'est ce que nous faisons aussi dans notre entreprise et à nos legacy group. Nous faisons du financement participatif. On se met ensemble. À quoi ça sert de posséder une entreprise, euh, de posséder 100% d'une entreprise qui génère 1000 dollars à la fin du mois, que de posséder une 10% d'une entreprise qui génère 100 000 dollars, par exemple. Si je possède 10% d'une entreprise qui génère 100 000 balles, eh ben, j'ai 10 000. Contrairement, je suis beaucoup mieux que celui qui gagne 1000 dollars dans son entreprise où il a 100% de parts. Et donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, bah, les entrepreneurs, on doit apprendre à se mettre ensemble. Okay. On doit apprendre à collaborer. Est-ce que là, est-ce que là, vous euh, pensez pas que c'est un, bon, moi, je crois, crois qu'on on a, un petit peu un problème. Parce que, euh, récemment, je suivais, j'ai suivi une histoire, euh, on parlait de ces Congolais qui, qui allaient acheter de marchandises ailleurs, avec, à l'étranger. Et ils arrivent là-bas, ils achètent chacun de sa part. Et il y a l'étranger, la personne qui les vendait, qui dit, mais, mais vous, les Congolais, pourquoi vous êtes comme ça? Lorsque vous venez ici, vous achetez, chacun achète comme il veut. Mais nous, quand on achète, on vient en synergie. Mm -hmm. Ça permet, au fait, parce que, par exemple, quand vous avez un client qui vient acheter euh, un produit des 1000 dollars et vous, vous êtes, par exemple, euh, 5, et vous lui donnez 1000, 1000, 1000 ça fait 5000 dollars. Quand il vient pour acheter le produit des 5000, de 5000, lui, lui, son statut change. Là où on les vend, on dit, bon, oui. on les considère comme un client, par exemple, des luxes. Oui. Il a des avantages. Et ces avantages-là, quand il a des bénéfices, ça tombe sur vous. Oui. C'est comme ça, nous, on procède. Oui. Mais moi, j'ai compris directement que nous, les Congolais, on a un problème de vivre ensemble. Et c'est un problème pour nous parce que, vous allez voir un Congolais qui va interdire même à l'autre. Non, moi, je viens, j'achète, mais ne, ne vendez pas à ces messieurs-là qui va venir. Mmh. Mais quand on regarde ces messieurs-là, c'est un Congolais. Mmh. C'est son frère, c'est son compatriote. Est-ce que vous ne pensez pas ce que vous êtes en train de dire? Ce sont les idées qui vont juste tomber dans, dans les étoiles. Parce que on a un pays où les gens n'aiment pas voir l'autre évoluer. Quand, quand, on dit qu'il est, comment, ennemi à Congolais, à Congolais, ça fait Et mal. Vous dit, ça, ça fait mal de, de l'entendre, oui. mais, mais c'est la réalité. Ouais. Est-ce que vous pensez? Voilà, l'idée est tellement bonne, ce que vous dites dans un financement participatif. Et alors c'est comme ça même ces expatriés évoluent ici ouais. les Chinois les Libanais les Pakistanais ils viennent en synergie ils travaillent en collaboration mmh. mais nous on veut euh, surtout quand on dit que non on donne l'argent par exemple à Azaf qui va aller acheter on dit bah, lui on va lui donner les bénéfices bon pour, ouais. pour fin de places à luxe et nous pour Anicaray c'est la question <laughs> qu'on se pose ouais. est-ce que vous pensez pas que ça va jamais ça va jamais exister chez nous ça va jamais tenir ici oh, oui, oui 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 vous avez très vous 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 avez très bien dit et euh, vous avez parfaitement raison c'est un manque d'éducation à l'investissement, tout simplement. Mmh. C'est parce qu'on n'est pas éduqué à investir. Et euh, c'est même une réalité hein. aujourd'hui. Bah quand vous avez 1000 dollars en ce moment, peut-être pas vous, mais si vous demandez à un jeune, euh, si je te donne 1000 dollars, qu'est-ce que tu en fais maintenant Il en a, il, il peut-être qu'il ne te donnera pas une une seule et et, et, et une seule idée. Peut-être qu'il n'a même pas un projet. Il va te dire « bah je vais faire ci, je vais faire ça, les idées viendront. » D'abord, nous, ce qu'on a en tête, on se dit « d'abord, on doit avoir de l'argent pour pour, pour, pour pour faire un projet. » Pourtant, c'est l'inverse, c'est le projet qui fait l'argent. D'abord, j'ai un projet, je le visualise. C'est pour ça que le développement personnel est très important. J'ai un projet, je le visualise, je travaille en fonction de ce projet-là et je vais créer du fond. Et, 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 et c'est le process. Hein. Vous avez très bien dit ça, très très bien. Aujourd'hui, la difficulté, par exemple, telle que vous avez dit, bah, on a une difficulté de se lancer dans certains secteurs parce qu'on n'a pas suffisamment de capitaux. Mais pourtant, il y a des capitaux. Hein. En ce moment, les entrepreneurs n'ont pas accès au financement en RDC. Mais est-ce que vous savez que les banques sont en surliquidité Est-ce que vous les savez les banques ont plus d'argent. Ils recherchent même des gens à qui donner. Mais maintenant, <laughs> okay. il faut remplir les conditions. Uh -huh. Remplir oh, les critères. Si j'y vais oui. seul, je ne remplis pas les critères. Pourtant, si on se met en groupe, bah, il y a beaucoup de gens qui obtiennent du crédit de groupe. Le crédit de groupe, en se mettant en groupe, bah, tel il est, il produit du vin à base de, de Maracuja, tel uh -huh. produit du vin à base de ceci, tel produit. Mettons-nous ensemble. Faisons une holding, par exemple. Faisons une entreprise et chacun de nos produits deviendra euh, des produits de cette entreprise-là. Okay. Et chacun de nous sera gestionnaire de son département. Et ensemble, nous, nous constituons un dossier, bah, on peut obtenir un crédit de groupe. Ça, c'est faisable. Et c'est ce que même les expats, ils font. Ils se mettent ensemble. Ils se disent, bah, moi, je vais faire ci, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Ils se mettent ensemble, ils prennent un crédit, ils investissent là et quand ils arrivent ici, chacun gère... Comme, chacun est gérant d'une entité, mais tous, ils ont, ils, ils sont ensemble. Ils organisent des réunions ensemble et ils font le rapport à la banque. Malheureusement, tout ça, nous, on n'a pas appris ça. On n'a on, on pas un système d'éducation à l'investissement. On n'a pas appris ça. Vous voyez, même à l'école, on nous a appris à être premiers. Euh, que quand il y a interrogation, il faut cacher ses réponses, comme ouais. ça. Juste <laughs> pour les points qu'on a étudiés en après, ça, on grandit avec ça. Bah, C'est exactement on, on, est ce on... En, on est en, en oiseau solitaire, euh, voilà. C'est exactement ce qu'on applique même dans les business. Mm -hmm. Je connais un endroit où j'ai un fournisseur qui me fournit, euh, mes, 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 mes make-up, les trucs des femmes. Bah, j'y vais là-bas, je cache. Je et puis moi je vois je même ça, set, ça, ouais. ça arrive aussi, hein, quelqu'un qui est quelque ouais. part, bon, il, fait, il fait la photo, euh, voilà, c'est beau les décors et tout, oui. et tu répètes, mon, mon gars, c'est où Oh non, il, il s'est décaché. Ouais, il, il, ouais. <laughs> non, c'est quelque mais part même, à Kinshasa. Ouais, ouais, Moi-même, je vais aller là-bas, mais je vois ouais. que c'est beau. Mais pourquoi tu veux pas me dire ouais. Justement pour cacher, pour dire que moi je suis les seuls. En fait, ouais. on aime être les seuls à ouais. faire quelque chose. Et puis voilà, c'est aussi notre mentalité. Ça va vraiment nous empêcher ouais. à ouais. évoluer comme ça. Ouais. Ça, et, et ça, ça nous impacte d'abord nous-mêmes négativement, hum. et ça impacte même le fournisseur négativement. Ouais. Pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce que les, les, les autres, les Européens, ont en... Pas seulement les Européens, mais les autres, les autres peuples. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui Aujourd'hui, ils parlent d'affiliation. Et c'est quelque chose de très bien, même ici, ça commence à arriver, oui. l'affiliation. Par exemple, comme vous avez dit, vous avez fait une belle photo dans un endroit. Mmh. Bah, je vais, je poste, les gens me demandent c'est où. Je fais une liste des personnes qui mmh. veulent prendre des photos et je contacte le, le photographe. Je lui dis, écoute, je vais t'apporter 20 autres personnes. Mais, okay. mais qu'est-ce que tu me proposes en retour? Bah, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais te proposer 1%. C'est ça de l'affiliation. Donc, on peut se faire okay. de l'argent. On comme peut se faire de l'argent même chez... comme ça. On peut créer même des systèmes d'affiliation comme ça. Je connais un fournisseur. Et, et, et ça, ça marche très bien. Je connais un entrepreneur, Yomi Denzel, euh, qui est à Dubaï en ce moment, qui le fait très bien. Il, au début, il avait de produits, mais en ce moment, il n'a aucun produit. Mais il fait des millions, justement, dans l'affiliation. Tout simplement parce qu'il connaît des fournisseurs, il connaît les meilleures formations, les meilleurs formateurs, il connaît les banques, les procédures. Eh bien, si tu veux qu'il t'aide, tout simplement, il t'accompagne. Mais la mais... personne qui va te fournir, lui gagne des mais... commissions. Okay. Et il est millionnaire comme ça. Il n'a pas de produit. Il fait du gros chiffre d'affaires. Mm -hmm. Et si on commence à comprendre comme ça dans notre pays, on se dit bah on peut se mettre ensemble. J'ai pas besoin de cacher comme on cachait nos réponses à l'école. Hein. Mm -hmm. <laughs> je trouve un fournisseur. <laughs> je viens. J'en parle à Asap, Je lui dis bah écoute, tu sais, moi je connais un fournisseur. Mais est-ce que tu peux pas appeler aussi cinq autres amis comme ça on se met ensemble? On peut faire du financement participatif, mmh. on peut investir 1 dollars chacun, bah, échelonner 100 dollars par mois en 10 mois. Bah, on aura, on, si on est 5, on aura 5 000. Hein. On peut faire une grosse commande et puis on vient, on commence à produire, on commence à vendre sur les marchés et on se partage les bénéfices, par exemple. Il faut qu'on apprenne ça, mmh. qu'on apprenne à investir ensemble. C'est comme ce que euh, Martin Luther King disait, bah, si on n'apprend pas à vivre ensemble. Comme des frères, nous mourons comme des idiots. Et ben c'est ce qui se passe. <laughs> ouais. On souffre. Les entrepreneurs souffrent. Ils n'ont pas de financement, mais ils souffrent bêtement. Nous souffrons bêtement. Excusez-moi de les dire, mais c'est tout simplement parce qu'on n'est pas à mesure. On n'est pas capable de se grouper pour aller prendre un crédit de groupe à la banque. Nous souffrons. On dit bah, on n'est pas accompagné. C'est parce qu'on n'est pas prêt à se mettre ensemble, mmh. à mettre de côté nos divergences à former un bloc, une puissance et dominer sur le marché, par exemple. On n'est pas mmh. prêt pour ça. Mais je pense que les entrepreneurs qui sont en train de, de, vous suivre en ce moment, ils ont, ils ont très bien compris. Il y en a qui ont euh, compris comment est-ce qu'on peut impacter dans un business, surtout quand il y a, quand il y a vraiment de la concurrence. Mais là, le temps nous fait vraiment défaut, monsieur Jules. On sera obligé de, de nous séparer à partir d'ici. Okay. Merci pour, j'ai envie de dire pour toute la matière que vous avez déversée ici. Ah, <laughs> Merci d'avoir surtout été avec nous. Merci à toi aussi, Azaf. Merci euh, Aurélie, merci aussi à M. Jules euh, pour la crème, euh, pour euh, ce sujet très pertinent et mm -hmm. pour ses analyses et pour ses réflexions que j'aime beaucoup. Et je merci. crois que ça mm -hmm. plaît aussi aux téléspectateurs. Et surtout, on espère que ce n'est pas la dernière fois. Hein. Ah, en, en tout cas, si vous m'invitez, je, 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 je serai toujours tout oui. Hein. <laughs> et bon, moi, je vous remercie mm -hmm. infiniment. Je mm -hmm. remercie aussi euh, le, 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 le DG, M. Mm -hmm. Serge. Je trouve que c'est un cadre très très fantastique c'est un entrepreneur formidable et c'est quelqu'un en tout cas en boîte de pas merci beaucoup alors merci à vous aussi très chers téléspectateurs de nous avoir suivis on se donne rendez-vous ce vendredi au revoir Cette dimension créative